Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et c'est reparti pour une nouvelle semaine express. Et cette semaine, on va travailler la taille, les abdos, les fesses et le dos. Aujourd'hui, on commence une séance debout. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste vos baskets. Et c'est parti! Allez, jambes écartées, on inspire, on se grandit. Et on relâche, on recommence, on reste en haut et on tire à droite et à gauche. On baisse ses épaules. Alors ici, le ventre bien serré. On va utiliser ses côtes pour respirer. Allez, on réveille tout doucement le haut du corps. Et on va partir sur le côté. Rajoute le pied. Et on fait des cercles avec son bras. Allez, soufflez bien, fléchissez bien vos jambes. Et on lève la jambe sur le côté. Allez, on serre la fesse pour lever la jambe. Et on rajoute le bras. Toujours le ventre serré pour ne pas creuser le dos. On fait des talons-fesses. Jambes bien fléchies. Bras devant, tire les coudes vers l'arrière. Et marchez. Allez, on commence. Premier exercice, jambes écartées, pieds légèrement vers l'extérieur. On descend, on remonte, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, serre le ventre, serre les fesses. Allez, les fesses bien en arrière, comme si on voulait s'asseoir. On descend et cette fois-ci, on lève la jambe sur le côté. Bien au centre, toujours les fesses vers l'arrière. Et on allonge la jambe ici, on serre la fesse pour lever la jambe. Encore. Et reste ici, petit battement. Allez, jambe d'appui fléchie. L'autre jambe bien tendue, pied flex. On serre le ventre pour garder l'équilibre. Encore. On fait des battements derrière cette fois-ci. Allez, sans creuser le dos, on serre le ventre, on serre la fesse pour monter cette jambe. Toujours le pied flex, la jambe d'appui toujours fléchie. On pose, on allonge les bras, on ramène le genou. Allez, on va chercher le pied loin derrière. On ramène les genoux. Et on allonge les bras. Allez, on réouvre. On part en squat. On lève l'autre côté. Allez, on refait tout de l'autre côté. Inspire, souffle.
Encore. Et reste, battement sur le côté. On n'oublie pas, jambe d'appui fléchie. L'autre jambe bien tendue, pied flex. On serre le ventre pour garder l'équilibre. Allez, souffle. Attention, derrière. Allez, on serre le ventre. Soufflez bien. Toujours jambe d'appui fléchie, l'autre jambe tendue, pied flex. Encore un peu. On pose et ici on ramène le genou. Ventre bien serré, le dos bien droit. On va poser loin. Et on ramène. Serre le ventre en ramenant. Souffle. Encore. Et ici, genou en alternance, coude sur genou. Légère inclinaison du buste. Souffle, souffle. Allez, on ouvre, fléchis, incline à droite et à gauche. Allez, sans monter les épaules. Les hanches ne bougent pas, juste la taille. Encore, le bassin bien neutre. Serrez bien votre ventre pour verrouiller vos hanches. Allez, on tape sur le côté et on va chercher au plafond. Allez, on allonge le bras. Allez, on va continuer sur les inclinaisons. Encore. Et ici, on reste sur la jambe droite, on monte le genou gauche sur le côté et on incline sur le genou. Jambe d'appui fléchie, épaule vers l'arrière. Encore. Et change de côté. Allez, on ouvre la poitrine. On souffle quand on monte le genou. Allez, encore un peu. On revient, jambes écartées, souples. Et on pivote à droite et à gauche. Pareil ici, les hanches ne bougent pas, juste la taille. On serre le ventre pour garder les hanches fixes. Bassin bien neutre, pas assis sur le coccyx. Allez, on va chercher loin. Soufflez bien. Et tape ici. Allez, on est sur la rotation maintenant de la taille. Allez, on va chercher loin. On allonge la jambe, on allonge le bras.
toujours sur la rotation, on avance, on touche sa cheville. Toujours le côté droit. On fait une rotation de la taille. On jette bien haut sa jambe. Hop. Inspire, souffle. Tourne. Les hanches toujours de face. Et change de côté. Hop. Allez, il nous restera à travailler le dos. On a fait les fesses, les abdos un petit peu, la taille en inclinaison, en rotation. Et on va travailler le dos. Alors ici, jambes légèrement écartées, mains sur les cuisses. On serre le ventre, on descend dos droit. On souffle, on remonte dos droit. Allez, c'est parti. On tire les fesses en arrière, on tire la tête à l'opposé. Dos bien droit. On rentre le ventre. Allez, encore un peu. Et on reste en bas. Genoux bien fléchis, on allonge les bras. Et cette fois-ci, on tire les coudes vers le plafond. Les fesses en arrière, le dos toujours bien droit. Les coudes près du buste. Allez, souffle. Souffle. On ferme ses omoplates. On met les mains sur les genoux. On fait le dos rond et on déroule tout doucement. Allez, on inspire ici, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Allez, encore une fois, on inspire. On reste en haut. Et oui, c'est déjà fini. On fléchit, on attrape son poignet gauche et on incline à droite. Allez, tirez sur votre poignet. Les épaules en arrière. On revient au centre, on attrape son poignet droit et on incline de l'autre côté. On tire sur son bras. Et on revient au centre. On relâche le tout. On prend appui sur la jambe droite. On ramène son talon sur le genou. On ouvre bien son genou. On penche le buste. On fléchit la jambe. Allez, ouvrez bien votre genou. On revient. On change de côté. Pose la cheville. On ouvre son genou. On fléchit. On penche le buste vers l'avant. Et on revient tout doucement. On ouvre à nouveau les jambes. On inspire. Pieds parallèles, fléchissez, relâchez le tout, main au sol ou sur les jambes. On relâche la tête, les épaules, on regarde loin derrière soi, entre les jambes. Puis on fléchit, main sur les genoux. Et déroulez tout doucement les épaules et la tête en dernier. Allez, dernière fois, inspirez et relâchez. Et voilà, jour 1 terminé, c'est fait. On se retrouve demain, on retravaillera les abdos, la taille, les fesses, mais cette fois-ci, ce sera au sol. Allez, je vous retrouve demain et je vous embrasse très fort.